Eh bien, Bernard, tu ne vas tout de même pas plonger dans la marmite? Si fait, Corinne. Je veux m'immerger au cœur de l'orchestre. Alors prends cette partition de Benjamin Britten, le guide de l'orchestre pour les jeunes. Idéal pour exciter papilles et écoutilles. Écoute, Bernard, c'est le thème choisi par Britten pour présenter tous les instruments de l'orchestre. Il l'a emprunté à un autre compositeur anglais, Henry Purcell. Ok, présentation de l'orchestre en toutis pour commencer. Et ensuite? Ensuite, il varie ce thème à chaque pupitre. Les bois, les cuivres, les percussions et les cordes. Et il fait entendre à découvert le timbre de chaque instrument. Tous les instruments vont y passer? À la queue leu-leu? Ça va pas faire un peu catalogue, non? Mais non, chaque instrument présente une variation du thème, rythmique ou mélodique. Donc, il n'y a jamais de redite. Et comme chaque instrument a sa propre couleur et sa propre expression, on redécouvre le thème à chaque fois. Ah ouais, dis donc, 13 variations et une fugue pour terminer et retrouver in fine le tutti orchestral. Bon, je m'installe pour la grande parade. Oh là là, les piccolos! Ils sont tout petits, 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 Bernard! Oui, mais toujours en haut de la partition. Suivi de près par les hautbois. Ah, la mélodie! Ceux-là, ils ont toujours la mélodie, c'est toujours pour eux. Tiens, la clarinette! Et son florilège de gammes et d'arpèges. Ben et lui, c'est qui, Bernard? C'est le basson, bonhomme, le plus bas des bois. Oh non, le plus bas, c'est le contrebasson. Oh, tu chipotes! Oh, regarde comme ils sont fiers! Les corps, toujours par quatre! Ah oui, comme les trois mousquetaires! Tiens, une devinette! Et si je te dis rapide, brillant et cavalant? Facile, les trompettes! Bon, à moi! Les suivants sont fiers comme Artaban. Bon, les trois mousquetaires! Mais non, Corinne, les trombones, alto, ténor et basse! Oh là là, Bernard, les cordes, elles arrivent en famille! Ben oui, ils sont environ 60. Ils font un ping-pong mélodique. Oh, ben c'est déjà fini! Oui, mais en fanfare, avec la percussion au grand complet. Dis donc, Corinne, j'y pense tout à coup, là. Cette partition de Britten, c'est un peu comme Pierre et le loup de Prokofiev, non? Mais oui, Bernard! À la différence près que Pierre et le loup est un conte musical, alors que dans l'œuvre de Britten, il n'y a aucune histoire, aucune narration. Hop, ce sont les timbres de l'orchestre à l'état pur. Hop, hop, ah, c'est bon, je l'ai. Ça va, Bernard? Pas trop noyé avec tous ces instruments? Chut, laisse-moi encore mariner dans mon bain d'orchestre. Bam 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 b